On est au Nouveau-Brunswick! C'est ma première fois au Nouveau-Brunswick! On s'en va vers l'île du Prince-Édouard. Et Dieu tient à ce que toutes les petites filles fassent leur prière. On écoute toujours Anne, la maison pignon vert. Vous ne savez pas qui est. Photos de la plage. Après 6 jours à l'île du Prince-Édouard, on s'en va pour un séjour de 10 nuits aux îles de la Madeleine. Quand on sort, on n'a pas le droit de commencer à lever nos casiers avant 5 heures le matin. À 5 heures, on peut commencer. Il y en a qui finissent à 8 heures, 9 heures, 10 heures, comme ça. Nos manches sont toujours dans des viviers oxygénés avec de l'eau, toujours continuellement. Quand on arrive, le débarquement, comme tu vois présentement ici, là, on appelle ça dans les logtech, des crates en anglais. Là. Du matin, on est couché, on entend le vent parce que nous, on est vraiment en plein vent. Là, à 1h30 du matin, mon chum, on est tous les deux dans la cuisine, on se lève, mon chum me regarde le couvert du spa, il dit non, Andrea, là, il dit, lève vraiment, là, il lève. J'ai dit, OK, on s'habille, on y va. Fait que on est sorti de là, puis je suis allée littéralement me coucher sur le couvert du spa. Thank you.
6h30 le matin, de l'alcool à 20%. Produit très local qui s'appelle la Bagos. On sort avec une boîte. J'ai jamais sorti avec une boîte d'un magasin d'alcool, mais il y a aussi des bouteilles à Norwen. Crème, petite bière à l'azote, aux notes de miel et d'orange, de la brasserie à l'abri de la tempête.